Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zebus et nous voilà partis dans les profondeurs abyssales des cavernes naines sur Dwarf Fortress. Alors on va tenter de faire les Quantum Stockpile, j'ai déjà réussi à le faire sur une précédente partie, donc je sais que c'est faisable hein, et elle fonctionne très très bien, mais je me souviens plus forcément du process. Je viens de regarder un peu le tuto que nous avait fait Gilead, Gilead sur le Discord, et on va essayer de se les appliquer, F3 ici. Au moins ici, et après on va essayer au niveau du maçon. Alors, il nous faut au moins 3 cases d'écart. Alors, pendant ce temps, ils sont en train de dump tout ça, c'est vrai. On avait creusé, on a la fortification, donc l'eau peut se faire évacuer. Il faut qu'on fasse juste un petit pont-levis dans le coin, et ça va être perfect, comme on dit dans le jargon. Alors, je vais me le mettre sous les yeux, hein, je suis isolé, ça va... Ça va pas forcément être hyper didactique pour vous. Mais on va voir ça. Alors. On a besoin d'au moins 3 cases de libre. Un minecart qu'on n'a pas encore, mais ça on va en avoir un assez vite. On va au moins tout mettre en place, après on verra le reste. Un nain avec le métier mécanique, ça c'est fait. Donc on va décrire 2 stockpiles. Je suis vraiment à la façon dont il le fait. Stockpile P, stone, très important. Ouais, on va faire le métal. Le smelter, ça va être ici. Ouais, smelting, on va dire. Il aurait fallu que je creuse un peu différemment. Alors attendez, en fait j'aimerais bien faire un truc relativement propre si je peux. De 3, ça va pas être hyper centré avec l'escalier, ça m'embête un peu. On va se faire 2 ici, ici, boum, ici, ça me paraît pas mal. On va voir s'ils creusent là. Ouais, voilà, parfait, ils vont creuser ici. C'est quoi ça? Galena, ça me va. Parfait. Alors P, S, stone, on va faire 6 cases, je pense que ça va suffire. On va faire 1, 2, 1 sur 1. On va faire 1, 2, 1 sur 1. Là, on est bon. On va donner donc les noms. CTRL N. Stone Quantum. Quantum. From. CTRL N. Stone Quantum. Les fichiers qu'elles voulaient seront acceptés dans la stockpile. Autoriser exactement le même objet dans les 2 stockpiles. On va faire exactement ça. Alors, settings. Stone, metal, or, économique. Le gypsum sera autorisé. Okay. Alors, on va enlever le other stone. Cabrorate, quartz. Ouais, on va enlever ça en fait. On va disable ça. Non, on va enable et on va forbid. Metal or, c'est accepté. Économique. Bitumus, lignite, gypsum. On pourrait refuser le reste, mais bon. Et on va pas accepter la clé. Je pense pas l'utiliser. On va forbid ça. On fait des settings assez faciles à retenir. S'il faut qu'il y ait les mêmes, semble-t-il. Forbid. Ok, on est bon. Créer un track stop. Ça, je le fais pas souvent. B, C majuscule, track stop, S majuscule. Sur la case entre les deux stockpiles. Assurer qu'il dump dans la direction du quantum. Ok. Dump en arrival. D. Il doit dump à l'est. Voilà. Friction IL, change friction, on s'en fout. Ok, donc on valide. Track stop. Oui, en granit, c'est très bien. On va créer une nouvelle route. Donc, nouvelle route, c'est H minuscule N. R, excusez-moi. R, donc N, on va la rename.
Quantum. Quantum. Stone. Quantum Stone. Mettez la croix sur le track stop. Ok. Ajoutez un nouvel arrêt. S. Stop one. Définissez l'arrêt Hunter et supprimez les trois conditions. On fait pour supprimer. X. Remove condition. On enlève les trois. Définissez les objets qu'il doit prendre. Donc c'est les mêmes objets. Enable. Forbid. Forbid. Ça va être les mêmes objets que le... que les stockpiles, c'est ça. Ajoutez un nouveau lien vers une stockpile else. Alors attendez. Ok. On va faire un nouveau lien. Take from. Comment on fait pour select? P, select stockpile, excusez-moi. Ok, donc ça va prendre de quantum quantum from. Assurez-vous que la condition du stop soit take from quantum from. Attends. Soit take from stone et le nom, d'accord. Et qu'il n'y ait pas d'autre. D'accord, donc ça va être la seule condition. Il faut qu'on y assigne un min cart. J'ai mis deux U à Quantum partout, mais moi je fais pareil parce que c'est Quantum. C'est plus stylé. Il faut pas utiliser les Quantum Stockpile pour la nourriture et la boisson, c'est très bien. Ok, donc il nous faut une carte maintenant, on n'en a pas, mais on va faire ça assez vite. Et V, on n'en a pas, donc le prochain but va être assez rapide. C'est de faire ça. Là, on va attendre qu'ils aient tout pris. BG Raise, on va le mettre ici. En Mika, c'est très bien. Il va nous falloir deux leviers. On va miner ici quand même. Alors, ils vont mettre un peu de temps, les nains, normalement. Alors, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est ça. On met en priorité une. On va voir si la priorité 1 prend le pas sur le detailing. Sinon, ils vont mettre du temps. Ouais, ça prend le pas sur le detailing, c'est parfait. Parce qu'à à priorité équivalente, le stone detailing est plus important. Alors, B, T majuscule, L. On fait des leviers, on va en faire deux. Ils vont pas être très importants, on va pas les utiliser souvent, donc on va les mettre en fond. On va en mettre un là, un là. On va juste vérifier les noms que j'ai mis. Arriver aux prisons. Contrôle N. Vidange aux prisons. F2. Contrôle N. Arriver aux prisons. Contrôle N. Vidange aux prisons. Voilà, parfait. On va laisser ça se faire. Est-ce qu'on a des barres et des blocs? On a des iron bars. On peut se permettre de faire un minecart en UMQ iron minecart. On va en faire un. Et on va le foutre là. Comme ça, on va pouvoir commencer à faire des trucs. Et on va voir si ça fonctionne, tout simplement. On en fera une autre ici avec les barres. En fait, on peut creuser ici. Hein. On se met toujours en 1 pour creuser. Ah, mes souhaits. Donc, dès qu'ils auront fini leur case en train de lisser la pierre, ils vont venir s'occuper de ça. Voilà. Nos petits mineurs. Nos petits mineurs, nos petits mineurs. Et on pourra faire le puits en suivant. On a besoin du maçon
on a besoin de l'architecte, on a besoin du maçon. Donc on va attendre que l'architecte s'occupe de ça. Une fois que l'architecte sera occupé de ça, on va être bon. Ok, tout ça, ça dump. Pourquoi ça dump pas, d'ailleurs? Tu vas ranger quoi, toi? Ah putain, ça qui en fait... Dès qu'il commence à avoir des trajets, ça prend beaucoup de temps. Donc là, ils vont remplir normalement la première stockpile. Une fois que ça va être fait, ça va être bon. Et c'est là où on se rend compte que parfois certains ordres peuvent prendre beaucoup de temps. Bon, là, l'escalier est quand même assez grand, mais par exemple, un escalier que de 1, les nains seraient obligés de se monter dessus quand ils passent sur la même case pour un peu qu'ils soient, comment ça s'appelle, qu'ils soient chargés. Ça les ralentit d'autant plus. Ouais, donc là, ils sont en train de tout déplacer. Ok, ils sont en train de tout ramener là. Ok, le mine de carte est en train d'être fait. On va... W. Ouais, non, c'est bien où est le barreau. UMQ. Wood. Whale. Barreau. Tu nous en vas faire une dizaine. On va faire des brouettes. Comme ça, en fait, quand ils vont aller chercher la caillasse pour ramener là-dedans. On peut en utiliser, on va en mettre deux, je pense, ici. Vous savez, perdons pas de temps à remplir ce stockpile. Ah vache, il met tellement de temps à aller chercher son iron. Rien que le fait d'aller chercher l'iron, de venir ici, de le déposer, de le faire fondre, entre chaque trajet, il va être obligé d'aller... Pas loin, à mon avis, il va être obligé d'aller boire et de se nourrir. Le cart est fait. Ok, V. Alors, on clique ici. Attendez. C'est la route qu'il faut faire, c'est ça? HR, ok. H. Le V. Oh, je vais être obligé de tout reprendre. Attendez, il faut que je le retrouve tout seul. New route, new stop. Non, remove stop. Nickname, non. Véhicule. V, ok, donc on est, c'est bien ici. Iron minecart. C'est Walid. Donc on va attendre de voir lequel vient choper le minecart ici et le poser là. J'espère que ça va être fait assez vite. Et on va refaire tout ça tout seul ici pour les barres, les iron bars. Donc là, ça c'est le minecart, il est ici. Ok, c'est valide. Et là, normalement, ils sont censés vider tout ça. Et vers l'est. Ça va prendre un peu de temps. Donc là, on est dans les parties hein, de Dwarf Fortress qui prennent un peu de temps. Le maçon. Donc le maçon, on va lui dire stop. On va suspendre ça. On va attendre qu'il fasse ce qu'il a à faire au rez-de-chaussée, quoi, ici, dans les bas-fonds. Before bed. Qu'on soit capable de leur mettre un peu de bouffe, je pense. Wooden table. On va en faire 3.
Ce qui nous fait à Q, Wooden, Chair, 12. Voilà, parfait. Et ça va être parfait. On a quelques portes. On va se faire une petite zone ici. Meeting, L assigne, add, T temple. J'ai pas regardé les The Truth Full Planet, j'aime pas du tout ce nom, on va le changer parce qu'il faut que je le reconnaisse du premier coup d'œil. On va rename. The Shrine of Fastening, c'est parfait. Les shrines, c'est les hôtels, ça je le sais. C'est juste avec un coup d'œil, je vois que c'est bon. Et ça, c'est important quand même. Ben voilà. Arrivée de l'eau de la prison. Ok. Il va s'en occuper, notre petit maçon. Normalement, naturellement, les ponts-levis sont abaissés et il faut activer pour les relever. On va le voir assez vite. On va lui redonner l'ordre, on va le re-autoriser à faire ses portes. On va link arriver to a bridge. Très bien. Et lui. Vidange, on va le link. Vidange. Parfait. Tout va être link. On commence à voir la pierre qui est un peu plus propre au niveau de la taverne. Et c'est bien. D'un point de vue de bouffe, on a 85, 59 boissons. Ça serait bien qu'on en fasse un peu plus en fait. Qu'est-ce qu'on a en kitchen? Ouais, on a plein de plump helmet. C'est cool, c'est-à-dire qu'on a une bonne production en plump helmet. C'est plutôt un très bon point en fait. Il a fait ses rockcraft. Ok, bah il va pouvoir donner un coup de main pour faire le reste, tout simplement. Drink, story time. Oh merde! On va enlever les. Ok. Q. Settings. W. Ok, donc là on voit que ça commence à s'accumuler. Tétrahydrite, marble, cassiterite. Et ça, en fait, faut qu'il la dégage là. Comment ça s'appelle là? Faut qu'il dégage ça. On n'a pas besoin d'avoir la brouette sur ce stockpile. C'est pas gênant, hein, mais c'est pas nécessaire. Donc là, on voit que le bridge est abaissé. On va attendre qu'ils aient fini tous les gold nuggets. Et on reclaimera tout ce qu'il faut. Alors, stockpile, P, B bar, bar bloc. Ça c'est bien. Alors settings, est-ce qu'il y a des trucs particuliers? Bar métal, bar other material, oui. Bloc de stone clay, je les veux pas ici, on va forbid ça. Les blocs de métal, on va pas en faire. On va pas mettre de blocs, on va mettre que les barres ici. P. B bar. Voilà. Settings. Forbid. Pareil que l'autre. B, C majuscule. S, stop. Track stop.
Alors attendez. Track stop. Dump au nord, s'il te plaît, quand tu arrives. On va le placer ici en granit, c'est très bien. Et on va faire une nouvelle route. Alors là, ça va être CTRL-N. Bar quantum from. Je laisse le double U en honneur à Gilead. Et la CTRL-N. Bar quantum. H nouvelle route R S new stop, on est là où on veut. On va définir le stop, on va tout enlever, on a dit. On va la link à une stockpile. Bar quantum from. Ok, ça c'est parfait. Et on va faire un deuxième mine carte. C'est une fourniture. Non, c'est pas une fourniture. Other object, probablement. Mine carte, c'est là. Iron mine carte. N, pour dire que je veux qu'il soit fait immédiatement, dans les plus brefs délais. On va la signer là et normalement c'est censé fonctionner. Le Gibson, tout le Gibson va arriver ici, ça va prendre un temps fou. Iron Bar, il va venir vider là. Il l'a déjà fait, je l'ai même pas vu. H. On va la rename, CTRL-N. N, CTRL-N. Comment je fais pour rename? N. Ouais. Quantum. Bar. Et on va faire V vehicle. Et normalement, on va suivre à peu près le même profil. Ok, on a fait trois tables en bois, ça c'est cool. Donc lui il vient avec ses petits mécanismes et il fait les liens. Parce que c'est notre architecte qui est mécanique, bien sûr. Ouais, ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Store lui. Ah ok, cool. Qu'est-ce qu'il va store? Ah, il allait dans les... Ok, il est allé dans le couloir qu'on a creusé pour découvrir le magma, donc il devait y avoir sûrement quelque chose d'intéressant et il va venir le poser là. Ça prend un peu de temps de faire ça par contre. Heureusement qu'il a la brouette, parce que s'il avait fait ça à pied, il aurait mis 10 ans à le faire, il aurait été déshydraté avant la fin. En fait, je pense qu'ici, on va en mettre 3. La moitié. Et là, ça commence à, voilà, ça commence à monter. On voit l'unité Gibson, Tetrahydrite et tout. C'est perfect. Alors là, normalement, un moment ou un autre, c'est quand même censé le faire. On va juste vérifier. Dump on arrival, north, ça c'est bon. Take from, bar quantum from. Bar quantum from. On va juste vérifier. Stone quantum from. Ok, on a respecté exactement le même truc, donc ça va finir par se produire. Ils vont prendre un moment juste pour mettre la petite taloche qui lui permette de vider.
Et on va pouvoir accumuler comme ça les ressources. Et ça va être perfect. Moi, je suis content, c'est une bonne chose de faite. On va faire pareil avec les fournitures, les finished goods et tout, pour limiter à fond la taille de nos entrepôts, hein, tout simplement. Là, on voit un dé qui pose, il le pose ici et ça descend. Alors, par contre, on pourrait peut-être s'amuser un petit peu, je pense. Donc, je suis. À mes souhaits. Là, vide, plein, plein, plein. On va leur demander de faire ça. On va leur demander de le faire un peu plus vite que le reste. Bien sûr. Il n'y en a pas qui sont nuls là normalement. Il y a du dump, il y a du dump. Il y a plein de choses à faire dans cette forteresse. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer normalement. Et on va faire la même chose aussi ici. Plein, vide, plein, plein, plein. Ok, on est bon. On va creuser ça aussi. Yes, au moins ils vont finir ça et ils vont retourner à Detail. Alors, Wood. Wood. UMQ. Iron. Minecart. 2. 2, ça c'est bien. B. C'est S majuscule. Au sud. Au sud. Tu vas me lâcher ça au sud. Conglomérat, si tu veux, je m'en fous. Une fois que ça va être fait. H. Renommer les stockpiles. Ctrl N. Wood quantum. From. Wood quantum. Tout. Ok. H. R. Stop. Define stop. X, 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 X. New stockpile. Prendre P. Take from here. N, Wood, Quantum, Wood, là on est bon, alors là on va refaire un stockpile, en stone, on va être obligé de le bosser celui-là par contre, alors settings, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je veux tout le reste. Stone, quantum, from. On va renommer en bas. Ctrl N. Stone, quantum. Tout. Stone, Ctrl N. Iron, or, quantum, from, contrôle N, comme ça au moins il n'y a pas de doublon, là on est bon, ok, alors B, C, S majuscule, dump au sud. Parfait. Orthoclase. Si tu veux. H. R. Name. Quantum.
Stone. N. Or. On est bon. New stop. Non, on annule. H. Ok. Remove. X. Yes. On met le curseur là où on le souhaite. On fait S. New stop. Define stop. On enlève toutes les conditions et on en met une. S. From. From. Parfait. Est-ce qu'on va faire W? On va en mettre 3 aussi. Hop, ici. W. On va en mettre 0. Parfait. Parfait. Il nous en manque un à une carte. Donc lui, il va venir le poser, c'est bien. Il nous reste un peu d'or à dégager, un de granit. Les 10 wheelbarrows ont été faites, ça c'est parfait. Maintenant par contre, voilà, parfait. Et une fois que ça va être fait, on va pouvoir l'installer. Et on est bon. Normalement, on est censé être bon là, partout. Partout. UMQ, Rockcraft, on va en refaire. Hein. Il nous en faut de toute façon. Il faut qu'on ait des monnaies d'échange et il faut qu'on paye les autres pour augmenter la richesse de notre forteresse. Je parie qu'on a plus de barils disponibles. On va faire une trentaine, s'il te plaît. Alors on verra après pour l'automatisation des comment ça s'appelle, pour l'automatisation des de la boisson. Ça en boisson, parfait. Là on a de quoi voir venir en bouffe aussi, c'est très très bien. Les deux tracks sont faites. Donc il n'y a plus qu'à amener les. Normalement, les minecarts devraient bientôt arriver. On a vu leur départ. Il leur faut juste un peu de temps pour arriver jusque-là. On verra ça au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on va continuer cette petite forteresse. Je vous dirai à bientôt pour la suite des aventures. Allez, à bientôt tout le monde et bye bye.